2014, pardon, j'ai décidé d'aller en Tunisie pour aller essayer de avoir, pour avoir de, plus de fonds pour venir investir au pays. Et arrivé en Tunisie, il y a des amis qui m'ont parlé du voyage clandestin. C'était pas facile, on n'a pas pu voyager, ils nous ont pris, nous emprisonner, tout ça. Nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire sains et saufs. Voilà, on a fait un projet collectif, mais actuellement on est quatre sur le projet. Et comme moi, je ne voulais pas rester avec eux dans le sud, j'ai essayé de leur parler. Donc ils m'ont aidé. J'ai fait mon salon de coiffure. Les gens de la communauté avec qui nous sommes ici, on travaille ensemble. Puisqu'il y a d'autres qui sont venus avec leurs compétences. On permet à d'autres de travailler pour ne pas tenter de prendre la même voie que nous. En tout cas, franchement, actuellement, ça va. Je me sens bien dans ma nouvelle vie. En tout cas, ça va. Parce que vraiment, quand j'étais revenue, j'étais méconnaissable. Ça n'allait pas, je ne me retrouvais pas. Je préfère dire à mes sœurs et frères qui rêvent vraiment d'aller en Europe, d'essayer de s'installer ici d'abord. Au moins, ils ont leur business, ils ont leur travail. Et si demain, ils veulent aller en Europe, ils peuvent aller par la voie normale, aller faire les vacances et revenir travailler, investir dans leur pays.